Les songes, c'est essentiellement quand on est endormi, d'accord? Alors que les visions, tu peux les avoir même pendant la prière, tu peux avoir des flashs comme ça, voilà. Et même les yeux ouverts, pendant que tu es conscient, tu peux avoir des visions comme ça. Et sinon, c'est la même chose. Les rêves, pareil, c'est la même chose. Songer, c'est rêver, n'est-ce pas? Et c'est pendant la nuit, pendant que tu dors, la nuit ou le jour, là tu rêves, voilà. Mais sinon, c'est la même chose, quoi. Maintenant, comment savoir si c'est songe ou vision, bien du Seigneur ou pas? Ben, il y a deux types de discernement. Le premier, c'est le discernement que nous avons grâce à la connaissance de la parole. Celui qui connaît la parole va forcément discerner des choses qui viennent du Seigneur ou pas. Et je prends un exemple. Dans Matthieu 4, le Seigneur a été tenté par le diable. Et l'ennemi va lui demander de l'adorer. Et Jésus-Christ, homme connaissant la parole, ben, il a su s'opposer à cet être. Et donc, ceux qui ne connaissent pas la parole se font facilement avoir, aussi bien par l'ennemi que par les faux prophètes, faux pasteurs. Donc, il faut connaître la parole. Le deuxième discernement, c'est le discernement que l'Esprit nous donne. C'est le don de discernement des esprits. Et même les gens qui viennent à peine de se convertir peuvent avoir ce don-là, alors qu'ils n'ont jamais eu la Bible. Voilà. C'est comment ben, ça se manifeste par une forme d'irritation ou quand on est face à quelque chose qui n'est pas de Dieu ou à quelqu'un qui n'est pas de Dieu. Il y a comme une irritation quand on est en face de la personne. Et on se sent mal. On n'est pas convaincu de sa personne, on n'est pas convaincu de sa présence. Il y a certaines manifestations démoniaques, par exemple, comme hier, là, une sœur qui criait là, je sentis là où j'étais que ce n'était pas de Dieu, qu'il fallait tout prier pour elle. Donc là, c'est le discernement qui vient de l'esprit, c'est le don de discernement. Et si tu es sincère avec le Seigneur, il va toujours te garder. Si tu es vrai dans ton cœur, si ton cœur est vrai, si tes intentions sont, tes motivations sont bonnes, le Seigneur va toujours te donner le discernement.
qu'on n'arrive pas à se souvenir de ses lèvres? Il y a plusieurs raisons. Soit c'est le péché, voilà, et soit c'est tout simplement le Seigneur qui ne... Même si on est fatigué, le Seigneur, s'il veut délivrer un message, il le fera. Et il tient compte de notre fatigue parce qu'il sait que nous sommes faibles. La chair est faible, il l'a dit. Et donc, c'est, tu fais un songe ou tu as un rêve, tu l'oublies. Soit c'est un rêve qui n'est rien d'autre qu'une accumulation, des choses que tu as vécues dans la semaine, dans la journée. C'est un rêve comme tout autre, hein, qui n'a rien à voir avec un message de la part du Seigneur. Et soit c'est l'ennemi qui te vole tes songes, tes rêves, tes visions, parce qu'il y a le péché. Voilà. Mais si tu es fatigué, tu n'es pas forcément dans un péché, et que Dieu te parle, ben, tu vas le garder, ce songe. D'accord. L'ennemi ne peut pas nous voler les choses que Dieu nous donne si on n'a pas ouvert une porte. Voilà.